Matas Fixel, vous êtes sorti prématurément vendredi au LIRS. Que s'est-il passé exactement? Donc après 10 minutes, j'ai eu un coup sur mon estomac et j'étais déjà pas bien toute la semaine. J'étais fort, enfin j'avais une petite gastro et ce coup sur mon estomac m'a complètement, enfin j'étais pas bien sur le terrain en première mi-temps. Je suis rentré à la mi-temps et malgré tout, je suis remonté parce que je voulais me battre à fond pour l'équipe et aller chercher quelque chose là au LIRS. Et puis je remonte en deuxième mi-temps et puis encore une fois pas de chance, j'ai ce duel où est-ce que je me fais un peu prendre en sandwich. Et bon, là j'étais un peu, enfin le médecin et le kiné m'ont expliqué, j'étais un peu sonné. Et j'ai eu un peu du mal à m'en remettre et le médecin, enfin ils ont préféré pas prendre de risque, j'ai demandé le changement et enfin malheureusement j'ai dû descendre quoi. On vous voit aujourd'hui évoluer dans un rôle d'avant-pointe, ce qui n'est pas vraiment dans vos habitudes. Comment réagissez-vous à cette situation? Het is niet echt de bedoeling dat ik als tweede spits speel. Ja, ik speel graag offensief en ik speel graag aanvallend mee. Maar het is meer de bedoeling dat ik als tien speel en niet als spits. Dus ja, we hebben misschien de indruk als we voetballen dat ik meer naast Momo sta. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat ik rond hem beweeg en dat ik voetballend opties geef voor de verdedigers en de middenvelders. Maar ik denk dat ik daar redelijk tot nu toe goed doe. En, Het valt wel mee. Allee, de positie valt mij goed mee, dus dat is geen probleem. Après le LIRS ou l'ERS, au Stade 3 Baudouin ce samedi, encore un grand morceau. Ben, de toute façon, je pense que tous les matchs ne sont pas faciles et je pense que tous les week-ends, on va devoir se battre à 100% pour aller chercher cette victoire. Mais je pense qu'on a déjà montré qu'on était bien capable de le faire et qu'on était capable de travailler tous ensemble pour aller chercher les 3 points. Après, je pense qu'on voit que le groupe s'améliore de toute façon et qu'on fait de notre mieux chaque week-end. Ici au LIRS, ça n'a pas été super, mais bon, je pense que, enfin, ça n'a pas été super dans la manière, si, mais pour les points, pas tellement. Après, je pense que tout est faisable pour ce week-end. On peut aller chercher les 3 points et au minimum un point si tout le monde est à 100%. Et en plus, maintenant, c'est chez nous au stade, enfin, chez nous. Au Stade Roi-Baudouin, c'est pas vraiment chez nous, mais il y aura de toute façon plus de supporters qu'à l'extérieur, même si à l'extérieur c'est déjà super bien ceux qui viennent. Et ici, il y en aura encore plus, donc ça motive encore plus pour aller chercher cette victoire. Et ça fait vraiment du bien quand on voit tous ces supporters qui sont derrière nous, quoi. C'est devenu chez nous. C'est devenu chez nous, mais j'espère que ça ne restera pas trop longtemps, qu'on peut revenir ici au parc dans cette ambiance qui est quand même particulière et qui n'est pas la même qu'au stade du Ezel, même si je ne l'ai pas encore vécu, que j'aimerais bien la vivre avec cette équipe et avec ce club.